De partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, le thème de ce soir est intitulé « Ne lâchez rien, surtout quand c'est difficile ». Oui, ça c'est vrai. On arrive à abandonner à cause de nos problèmes. On arrive à abandonner à cause de quelque chose. On n'arrive pas à tenir la course parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Merci et à la suite. Avez-vous déjà vu filer entre vos doigts ce que vous attendiez depuis si longtemps? Combien cela peut être frustrant. Vous les attendiez, ces vacances, et finalement, votre chef a besoin de vous à la dernière minute. Vous l'espériez, cet enfant, son prénom était déjà choisi, et malheureusement, vous ne pourrez jamais le tenir dans vos bras. Vous comptiez tant sur cette rémission et décidément, la maladie ne recule devant aucun traitement. Aujourd'hui, Dieu vous invite à persévérer à travers ces passages dans Hébreux chapitre 6, le verset 12. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Quand les circonstances ne vous lâchent pas, à vous de ne rien lâcher, non plus mon frère ou ma sœur. Comme vous, je sais que ce sont souvent dans les derniers mètres que la course est plus raide, mais aussi que la ligne d'arrivée est plus proche. Il ne faut pas lâcher avant d'atteindre la ligne d'arrivée, mon frère ou ma sœur. Des fois, on arrive à abandonner parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à faire ça. Mais il est bon de ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on arrive à la ligne d'arrivée. Avez-vous remarqué la fin du verset? Vous recevez l'héritage promis. Une promesse que Dieu ne manquera jamais d'accomplir. Ce n'est pas une parole en l'air pour juste vous aider à tenir le coup. Et si la promesse tarde à venir, Dieu vous invite à y croire, en demeurant ferme dans votre foi, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc, chapitre 2, le verset 3. Aussi, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, mon frère ou ma sœur, à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras, mais au contraire, à persévérer patiemment et avec foi. Prions ensemble. Seigneur, merci de m'accorder ton soutien quand je manque de force. Quand je suis tenté de baisser les bras, j'ai la certitude que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci pour cela. Je crois en toi, en toutes tes promesses. En tout ton héritage,
dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Alors, ne lâchez rien. Votre héritage vous attend. Tenez bon. Merci et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner.